Une figure emblématique de la politique guyanaise, parfois méconnue, cette exposition consacrée à Ali Castor nous transporte dans son univers passionnant où cet homme est révélé. Sa famille, ses convictions, son engagement politique, une exposition organisée par la collectivité territoriale de Guyane. Dans le cadre des 20 ans de la commémoration du décès d'Ali Castor, c'est une volonté de la collectivité territoriale d'avoir voulu mettre à l'honneur ce grand homme. L'année correspondait, puisque ça correspond donc aux 20 ans de son décès. Et voilà l'objet donc de cette exposition et des manifestations dans l'ensemble que nous avons mises en place tout au long de l'année. Cette exposition dévoile aussi bien son ascension politique, sans occulter les affaires judiciaires et sa réhabilitation. Un parcours atypique. Le 20e anniversaire de sa disparition, c'est l'occasion de revenir sur son œuvre avec des concours littéraires, mais pas seulement. Le prochain temps fort est une conférence débat jeudi 20 octobre à 19h30 à l'EPCC, donc à l'auditorium Edmond-Antoine-Édouard. C'est une conférence débat donc, qui est dévouée à mettre à l'honneur donc Ali Castor et son œuvre. À nos côtés, nous avons invité donc M. Michel Mignot, l'ancien directeur du Centre spatial, M. André Néron, qui a été à l'époque le directeur général des services de la collectivité départementale aux côtés d'Ali Castor, et également M. Jean-Michel Nicolas, qui était son directeur de cabinet. Conseiller général, maire, député, Ali Castor a laissé une trace indélébile dans le paysage politique guyanais. Visionnaire pour certains, il s'éteint à l'âge de 53 ans à Clermont-Ferrand.